Lorsque le mois de mars est poussiéreux, le bouvier devient orgueilleux. Mais oui, dépoussiérons le mois de mars. Le mois de mars doit être sec afin que l'herbe soit belle, que les vaches soient grosses et que le bouvier soit content. Le bouvier va avoir beaucoup de travail. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Tahiti-les-Bains sous ce soleil ravissant du Cotentin. Avec vous, vous le savez, nous allons voir que le jardin nourrit le corps mais aussi l'esprit. Sommaire. Punk. C'est le terme qu'a choisi Éric Lenoir pour définir son jardin et la philosophie avec laquelle il l'a conçu. Les marchés proposant des produits en circuit court, on le vend en poupe. Dans l'Hérault, à Grabelle, nous verrons en quoi cela consiste. Dans l'Écosse, nous ferons la lecture des paysages autour du cirque de Navacelles, en remontant jusque des temps immémoriaux. Et sans tarder, retrouvons Stéphane dans le bocage. De bon matin, il prend l'air, sautille, semble en pleine forme. Il n'y a personne. Il goûte ce moment calme et tranquille avant de rejoindre Cindy et Benoît qui ont de quoi l'occuper, il n'y a pas à en douter. Cindy, Benoît. Bonjour. 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 Bonjour Lali. Alors, c'est pas pour faire un potager dans ce carré? Non. Non. Bon, très bien. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un épandage phytosanitaire qui filtre l'eau sale. D'accord, voilà. Des roseaux, des choses comme ça. C'est ça. Que tu as fauché. Et là, bah, c'est l'entretien annuel, donc ça tombe à ce moment-là. Donc. Parfait. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Non. Donc, c'est quoi l'idée? C'est tout le mur à côté, on voudrait l'habiller pour faire oublier justement l'épandage phytosanitaire. Qu'on n'ait pas le regard dessus, mais qu'on ait le regard plutôt sur ce qui va être sur la façade. Ben oui, je comprends. Entre le barbecue jolies. Et le bout de la maison, voilà. Il y a des tentatives déjà. Je vois qu'il y a une glycine qui a été plantée, qui n'est pas forcément conduite. Non. C'est pas grave. Et puis deux hibiscus qui sont arrivés sur des bâches. Oui, j'ai mis une bâche et puis un paillis par-dessus, oui. D'accord. C'est très difficile de planter au milieu des bâches, je trouve. Tu arrives bien, toi? Oui, bah, j'y arrive. Il est plus doué que moi, alors. Et bah, la preuve. J'imagine que l'objectif, c'est économiser du temps. Voilà. OK. Et l'envie, ce serait laquelle? On voudrait faire courir la glycine sur le mur et puis habiller le grand panneau Bordeaux qui est un peu nu, quoi. D'accord. Alors, et puis peut-être devant, justement, jouer avec des plantes. Mais quel genre de plantes? Toutes les plantes, mais plutôt des arbustes avec des fleurs, comme les hibiscus, et pas un parterre de fleurs. Pas de petites plantes. Pas de choses petites, voilà, minutieuses, qui existent du temps, de l'entretien, voilà. Qu'il faut couper dès que c'est fané. D'accord. Moi, je vois quelque chose d'un peu massif, avec des couleurs. Du volume. Du volume, et puis des floraisons comme ça qui vont arriver dans les arbustes. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Au diable, les miniatures. Fais-nous un dessin en grand. On va commencer par faire grimper les glycines. Je dis les glycines parce que sur le panneau gris, on va installer des câbles pour conduire celle qui est déjà plantée. Ensuite, on va en installer deux autres au pied de la façade rouge et les conduire sur des câbles qui vont être tendus de manière verticale et ensuite en haut, sous les gouttières, enfin bien au-dessous des gouttières, de manière horizontale. On va continuer par installer des arbustes devant la façade. Des arbustes avec des feuillages, tantôt caducs, tantôt persistants, mais des choses un peu lumineuses ou des choses à fleurs. Par exemple, lumineuses, un ligustrum texanum, parce que les feuilles sont luisantes et vert tendre, et l'heptacodium qui va fleurir au mois de septembre, qui est moins connu. Je vais installer, dans la perspective de cette plate-bande, va installer un arbuste un peu important, un laurier du Portugal. Ensuite, on va rajouter un pittosporum avec des petits feuillages gris. Et là, on a vraiment du vert tendre, du vert foncé. Il y a du contraste dans les feuillages. Devant, nous allons installer des arbustes qui pourront être taillés, voire rabattus, pour ne pas devenir aussi grands que ceux qui sont derrière. Là, par exemple, il y aura un physiocarpus avec un feuillage pourpre qui rappellera la couleur du bardage. Voilà. Et dans l'esprit des hibiscus, arbustes à fleurs, nous allons pouvoir installer des hydrangeas paniculata et des caryoptéris, entre autres. Et tout de même, tu me laisseras installer quelques plantes vivaces qui ne nécessitent pas de travail, des verveines de Buenos Aires, des géraniums rosanes, par exemple. Et devant le carré de phytoépuration, on va installer un gros pot dans lequel on va planter un arbutus,
un arbousier qui va faire un peu masse. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est assez dense? Oui, très bien. On voit plus que ça maintenant. Eh bien, voyons-le en vrai. Il y aura du paillis réservé, une bâche qui dit adieu, des mesures sur le bardage pour tendre des câbles, un pot préparé pour être planté, des arbustes petits devant et grands derrière, des lanternes et le mot de la fin. Ça complète le tableau. Oh la vie, c'est gentil. C'est le moment de retrouver Jeune Pousse, notre série sur les initiatives écologiques. Oui, d'habitude, Stéphane, je mets en lumière des associations ou des entreprises innovantes. Mais là, je t'embarque au Muséum National d'Histoire Naturelle. J'adore. Oui, c'est vrai, t'adores cet endroit. Nous allons découvrir une exposition incroyable. Elle s'appelle l'Odyssée sensorielle. Et comme son nom l'indique, c'est une plongée au cœur de la biodiversité. Regardez. Nous sommes avec Marc-André Selosse, vous êtes biologiste, chercheur au muséum, et Gwenaëlle Allan, vous êtes cofondateur de Studio Sensory Odyssée. Vous avez travaillé tous les deux conjointement pour l'élaboration de cette exposition. Alors Gwenaëlle, qu'est-ce que l'on trouve exactement dans cette exposition expédition immersive qui se trouve au sous-sol? En fait, on a proposé ici quelque chose d'assez inédit. On propose au public de voyager à travers la planète comme s'il avait des super-pouvoirs qui pouvait lui permettre d'entendre, de voir, de sentir, et comme ça de ressentir la nature au plus près. Et donc l'idée, c'est que dans ce voyage, le public va s'émerveiller encore plus de toute la beauté, de la complexité et du sentiment d'être connecté au vivant. Et dans ce voyage précisément, il va s'envoler avec les flamants nains roses du Kenya, se retrouver dans la savane la nuit avec les animaux, le son des animaux et leurs odeurs autour de lui, se retrouver avec les chauves-souris la nuit en écolocation pour vivre l'écolocation dans une forêt continentale, et terminer dans l'Antarctique à naviguer auprès des icebergs et voir une famille de baleines faire la chasse aux harengs, par exemple, parmi des centaines d'autres expériences qui sont données à vivre dans ce parcours. Alors, il y a 8 écosystèmes différents. Comment vous les avez choisis? En fait, pour cette première histoire, nous avons voulu vraiment avoir une série d'écosystèmes qui nous amènent de l'équateur au pôle. Comme ça, on a plusieurs écosystèmes très différents les uns des autres. Et chacun a été traité d'une manière très différente. Donc, c'était surtout pour avoir vraiment la sensation d'un grand voyage. Et l'une de ces salles traite du sol. Marc-André, vous avez travaillé justement sur cette salle. Qu'est-ce que vous avez envie de rendre visible aux visiteurs? Tu parlais de voyages, mais il y a des voyages presque immobiles, il y a des voyages tout près de chez nous qui permettent de voir l'exotique. On marche tous les jours sur le sol, et le sol, c'est éblouissant de vie. Il y a le quart des espèces connues dans les sols, mais juste à côté de chez nous. Simplement, ce sol, il est opaque. On ne le voit pas. Et on ne voit rien dedans. Et puis alors, cette vie, elle est souvent microscopique, et donc, on l'ignore. Et même, on pense que le sol, c'est sale. Ah non, c'est pas sale. Le sol, c'est ce qui permet aux plantes de pousser. Et ensuite, du coup, c'est ce qui permet aux animaux de brouter, de manger. C'est ce qui nous nourrit. Et ce qui est extraordinaire dans le travail que vous avez fait, c'est d'arriver à montrer ce qu'on ne voit pas. Vous allez vous enterrer. Voilà. L'astuce, c'est que vous allez voir à toutes les échelles. Vous allez enfin voir ces fameux microbes, des amibes, des paramécies. Vous allez voir aussi des petits insectes. Vous allez voir des champignons, vous allez les voir à toutes les échelles. Mmh. C'est ça qui est prodigieux, c'est de rendre visible l'invisible en le rendant un peu transparent, ouais, et en voyant ce qu'on ne peut pas voir d'habitude avec les yeux. Et vous allez la sentir. Et comment on arrive à voir les bactéries, l'odeur des bactéries? Ben, y en a tellement. Et il faut savoir qu'il y a 5 tonnes de bactéries dans un hectare sur un hectare de sol. Donc il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, vous connaissez leur odeur parce qu'après la pluie, quand l'eau de pluie rentre dans le sol, elle chasse l'air et cette odeur après la pluie, ouais, c'est l'odeur des bactéries. Mmh. Il y a aussi les odeurs des champignons, les mêmes que quand vous épluchez un champignon de Paris. Mmh. Donc vous allez sentir ces odeurs qui en fait vont vous apprendre quelque chose, c'est que tous ces microbes que vous ne voyez pas, ben, vous les connaissez bien parce que vous connaissez leur odeur. Mmh. Et vous êtes déjà un peu dans leur intimité du coup. Donc c'est vrai que les odeurs ici ajoutent à cette découverte sensorielle, ajoutent à ce que l'on voit. Bon, dans le sol, on entend moins, c'est vrai. Mais, et ça, c'est tout le pari de cette exposition, c'est de donner une espèce de... Que ça
rentre là. Ça touche, ça crée un lien. Et par l'odeur, justement, ça crée un lien parce qu'on reconnaît tout de suite. C'est plus un concept, c'est plus une idée, c'est une sensation. Et on ne protège et on agit bien qu'avec ce que l'on connaît. C'est vrai. Gwenaëlle, c'est une exposition à la pointe de la technologie. Est-ce qu'il fallait beaucoup d'écrans, justement, pour parler aux gens qui ne sont pas peut-être sensibilisés à ce problème de biodiversité ? La technologie est simplement un outil, comme les techniques que nous utilisons sensorielles, comme les techniques artistiques. C'est-à-dire, on met tout ça, les scientifiques, au service, finalement, d'une narration émotionnelle. Comment parler au corps plutôt qu'à la tête ? Donner vraiment une envie de... On se sent concerné, voilà, littéralement touché. Alors messieurs, à chaque fois à la fin de ce reportage, je demande un geste écologique, une bonne attitude à adopter. Quelle est la vôtre ? Respecter les sols. Quand on a compris comment ça marchait, quand on a vu tout ce qui palpite de vie dedans, on a envie d'amener du compost, par exemple, mais on n'a pas envie d'y mettre du plastique qui va abîmer ces espèces et peut-être demain faire que ces sols seront improductifs pour nos enfants. Donc l'idée, c'est jeter pas de plastique partout et respecter le sol. C'est un beau message. Merci beaucoup à tous les deux et on invite donc tout le monde à venir visiter l'exposition L'Odyssée sensorielle. Merci à vous. Merci. C'est une exposition à ne vraiment pas manquer. Vous avez jusqu'au 4 juillet pour la visiter et après cette exposition va voyager. Elle s'installe simultanément à Singapour, Bruxelles et Montréal. Vous avez le choix. Bon Stéphane, maintenant nous allons découvrir un jardin punk, un concept que l'on doit à Éric Lenoir qui signifie de jardiner en pleine conscience, non pas parce qu'il y a des règles établies. Donc par exemple, si vous n'avez pas envie d'arroser ou de tondre, eh ben c'est ça un jardin punk. Portrait d'un homme et d'un jardin libre tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de règles ici, c'est un jardin punk, donc les punks et les règles, c'est pas ça. Mais il y a quand même quelques règles d'or pour éviter que ça se passe mal. Est-ce que les aronias commencent à être bons ? Mmh, bon. Comme il dit dans Crocodile Dundee, c'est un goût de chiotte, mais c'est plein de vitamines. Pourquoi j'ai appelé le jardin punk le jardin punk ? Tout simplement parce que ça part des principes qu'il faut que ça résiste à tout comme un punk. J'ai toujours été un passionné de nature, j'ai une formation de paysagiste et j'ai beaucoup appris par moi-même. Et j'ai décidé de faire complètement hors des clous. Donc il a fallu que je trace ma voie, que je rejette plein de choses, que j'en récupère d'autres, que je les réinterprète parfois. Et tout ça pour correspondre à cet état d'esprit qui est relativement insoumis, qui est le mien, et qui cherche à s'affranchir des règles établies parce qu'elles sont établies. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, il faut que ce soit pour une raison valable et pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. En bon punk. Je cherchais depuis 3 ans un terrain pour pouvoir agrandir ma pépinière et j'ai trouvé ça. C'était beaucoup plus grand que ce que je cherchais. Je cherchais 5000 m² au maximum en me disant je vais pouvoir entretenir. Puis je me retrouve avec 1,7 hectare, c'est-à-dire voilà, une fois et demie le Stade de France largement. Et en me disant je vais pas avoir d'argent pour entretenir. J'aurais certainement pas le temps d'entretenir parce que j'avais 2 entreprises à faire tourner, une pépinière et une entreprise de paysage. Et pendant un an, bah, j'ai observé les différents cycles sur une année, de voir ce qui poussait à quel moment, de voir quels étaient les animaux qui fréquentaient les lieux ou pas encore, de voir où l'eau stagnait, parce qu'on est sur un plateau hydromorphe, donc l'eau peut stagner énormément. Donc tout ça, ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se passait. Et à partir de ça, la première chose que je me suis dite, c'est que vu comme le terrain est difficile, j'ai creusé un petit peu pour voir quelle était la nature de la terre, j'ai fait analyser le sol pour savoir s'il était acide ou pas, s'il avait de la matière organique ou non. Et au regard de ça, je me suis dit, si la nature arrive déjà à faire quelque chose de ce sol, ce serait vraiment faire preuve d'une outrecuidance complètement débile que de dire que je peux faire mieux. En observant ce jardin, ce que j'ai appris par-dessus tout, c'est à faire preuve d'encore plus d'humilité par rapport à ce qui pousse naturellement, ce qui pousse spontanément et à ce que je veux implanter. Je ne taille que si ça me gêne pour passer, à part les haies, donc je souhaite qu'elles aient une dimension qui ne me dépasse pas, enfin qui ne me dépasse pas en termes de quantité de travail à fournir ensuite. Je n'arrose jamais, mais je dis bien jamais. Je ne tuteur a priori pas. Et puis, bah, c'est tout. Alors, ce jardin, il a une vocation
clairement expérimental. Je mets en œuvre les principes que j'ai définis dans l'idée du jardin punk. Et ils me permettent de démontrer, notamment aux collectivités, qui sont des interlocuteurs auxquels je cherche à m'adresser beaucoup, que ce n'est pas une question de moyens, que ce n'est pas une question de temps à consacrer à l'entretien d'un espace qui fait qu'un endroit est beau ou pas. Un truc qu'on a tous oublié dans notre métier, c'est la patience du jardinier. Ce fameux dicton, la patience du jardinier, ça consiste à planter une plante petite, de préférence issue de la graine, et à le voir grandir. Voilà, les papillons, il y en a partout. Papillon, ça veut dire chenille aussi. Il n'y a pas de chenille, il n'y a pas d'oiseau. Et puis les papillons, ça reste de bons pollinisateurs. L'origan, là, je l'ai planté, c'est un origan doré, donc horticole. Et je laisse se comporter en sauvage. Il ne faut pas oublier que toutes ces plantes, en fait, avant d'être mises dans les jardins, elles avaient une origine sauvage. Ce qui veut dire qu'elles sont quand même adaptées à des terrains difficiles, à des terrains concurrentiels avec toutes les autres plantes. On a toujours tendance à imaginer que les plantes qu'on va mettre au jardin demandent énormément de soins. Non, elles demandent énormément de soins si on veut qu'elles soient au top tout le temps et qu'on voit qu'elles. Si on est prêt à concéder une partie de la place au reste de la végétation, on peut avoir des choses formidables. Premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le jardin punk qu'on n'a jamais fait, c'est de commencer par se faire confiance et de faire confiance à la nature. Est-ce que quelqu'un s'est déjà arrêté dans la nature, à regarder un paysage et s'est dit c'est moche? Jamais. C'est bizarre. Mais les endroits qu'on ne touche pas, ils sont beaux. Devant votre télévision, Stéphane va planter en plein mois de mars. De toute façon, il sait faire que ça, Stéphane, planter, et bienvenue dans les tropiques du Nord. Non, on n'y est pas encore. C'est très particulier, mais si, vois-tu, parce qu'ici, nous sommes dans un climat océanique doux, ouais. C'est-à-dire un climat très tempéré. La température, c'est 11 degrés. Tous les jours, il fait 11 degrés, le matin, il fait 7. J'ai eu moins de pas une fois cette année. Pas en ressenti, Stéphane. Ah non, mais il y a du vent, c'est très humide, tu as froid. Ça, les gens le voient quand j'ai froid. Oui, mais nous sommes dans un climat très doux qui permet d'adapter les plantes qui, pour certaines, comme celle-ci, viennent de Nouvelle-Zélande. C'est un pseudopanax, l'essonie. C'est son espèce. Il y en a plusieurs ici. Il y en a un, le type, c'est-à-dire que l'essonie tout court, qui est planté un petit peu plus loin, qui va très très bien. Celui-ci s'appelle Pseudopanax lessoni, donc espèce Dark Star, variété, c'est un hybride. Et puis nous en avons deux autres ici, qui s'appellent Gold Finger. Voilà, celui-là, il a des feuilles très très fines et très dorées, et celui-ci s'appelle Gold Splash. Ce sont des arbres qui ont vraiment des feuillages très jolis, des arbustes plutôt, qui ont des feuillages très, très décoratifs. Et vois-tu, ici, je trouve que ce qui se passe derrière l'atelier, les coulisses de l'atelier, c'est pas forcément très joli quand on passe devant. Et je me suis dit que ce feuillage persistant allait distraire l'œil et nous empêcher de voir ce qui se passait derrière avec le temps. Il est un peu pourpre, le feuillage. Dark Star. D'accord. Effectivement, tu vois, il a le feuillage presque noir lorsqu'il débourre, lorsqu'il est jeune, ce feuillage. Après, il devient un peu plus vert. C'est un arbre, je trouve, un arbuste, puisqu'il va mesurer 4 mètres de hauteur pour environ 2 mètres 50 d'envergure. C'est un arbre très élégant. Et tu vois, les sonics que nous avons plantés il y a 2 ans se portent à ravir. À merveille. C'est des arbustes qui vont adorer avoir une situation plein soleil ou mi-ombre. Ici, sera plutôt le cas. Mais je pense qu'il va tirer son épingle du jeu parce que, vois-tu, la résistance, c'est moins 7 degrés. Et là, avec le pignon de la maison, il est protégé des vents secs et froids qui l'abîment. C'est en plus un végétal qui adore être en bord de mer et qui supporte très bien les embruns. Il va se plaire. Des tas de qualités. Donc là, j'ai fait une fosse à peu près d'un tiers supplémentaire de la motte
que nous avons dégagé du pot. Je te prépare un petit mélange, qu'est-ce que tu veux? Je veux simplement du compost sur la terre que nous avons extraite dans la mesure où il aime. Les sols drainés, là nous sommes 1,50 m en dessus du terrain qui est derrière. Donc c'est drainé. Une terre légèrement acide, ici la terre est légèrement acide. Donc c'est parfait, pas de modification, pas de rajout de terre de bruyère. Du compost, parce qu'un peu d'humus ne lui fera pas de mal. Okay. Voilà, et moi, de mon côté, je vais continuer d'ameublir le fond de la fosse et vérifier si les racines se sont mises à chignonner. Ce n'est pas le cas. Je suis même surpris de voir qu'il y a aussi peu de racines. Voilà, on va pouvoir commencer à mettre de la terre au fond de la fosse. Voilà. Tu fais même les bruitages. Ouais. Voilà. Et un peu de paillis, j'imagine. Voilà, l'eau va compacter la terre autour de la motte. Le paillis va empêcher que la plante s'assoiffe et que les mauvaises herbes ne poussent. Il va être beau, mon pseudo-panax. Il va être trop bien. À présent, Stéphane, avec notre partenaire, l'ami des jardins, nous vous proposons de faire un focus sur les marchés en circuit court. 64% des Français ont plébiscité ce mode de consommation en 2020. Effet de pandémie, mais aussi prise de conscience d'un mode d'alimentation plus durable. Nous allons à Grabel, une petite commune de l'Hérault, là où les pionniers ont lancé le premier marché en circuit court. Le samedi, Grabel se réveille au rythme de son marché. Un rendez-vous qui est longtemps resté unique en son genre, puisqu'il s'agit du tout premier marché de circuit court créé en France il y a plus de 10 ans. À l'origine de toute l'histoire, il y a cet homme. Il était alors conseiller municipal et voulait faire revivre sa ville. Grabel, c'est une ville en première couronne de Montpellier. On y vient pour dormir, on repart pour travailler le lendemain matin. L'idée du marché, elle a été de rompre ce sentiment de ville dortoir. Après, quel type de marché était judicieux? Il n'était pas question pour nous de faire un marché type classique où l'on retrouve des produits un peu comme partout ailleurs. Donc on s'orientait plutôt vers de la qualité. Ce qui était en vogue dans les années 2008, c'était le marché bio. Mais le marché bio, des personnes qui avaient des petits revenus, des petites retraites, allaient se trouver exclues. Pour moi, ce qui était important, c'était que tout le monde puisse venir sur le marché. C'est alors que l'élu reçoit le soutien d'une chercheuse de l'INRA, spécialiste du circuit court et qui va faire de Grabel son laboratoire à ciel ouvert. Moi, j'ai tout de suite proposé un marché en circuit court. Ça n'avait jamais été fait en France. Un circuit court, c'est un intermédiaire maximum entre un producteur et un consommateur. Finalement, quelle que soit la distance géographique. On a tous en tête peut-être que l'idée que c'est local, mais pas forcément. Alors ici, donc, sur ce marché, à Grabel, on a rajouté la notion de local. On privilégie, on met en valeur ici les circuits à la fois courts, en termes d'intermédiaires, mais aussi locaux, donc qui vont plutôt valoriser les produits de la région. C'est deux préparations différentes? Non, c'est les deux mêmes préparations. Non, elles sont bonnes. Pour que le consommateur s'y retrouve, l'équipe invente de toutes pièces un système d'étiquetage. Ce système d'étiquetage, c'est vraiment le cœur du marché. On a trois couleurs, avec une couleur verte qui va indiquer des produits issus de la vente directe, une couleur orange qui va indiquer les circuits courts avec un intermédiaire, et puis le violet qui est un circuit court aussi, mais d'un produit non local. Et puis tout le reste est étiqueté avec une étiquette noire, toute simple. L'idée, c'est de permettre aux gens de connaître mieux ce qu'ils achètent. Ce système d'étiquetage, il donne confiance, il rassure, parce qu'il y a la transparence. Et donc, pour le producteur, c'est plus de clientèle, donc plus de chiffre d'affaires. Et donc, on a aussi une mission du circuit court qui est permettre au producteur de mieux gagner sa vie. Un constat que partage ce maraîcher, qui s'est lui aussi impliqué dans le marché de Grabel depuis le tout début. L'étiquetage, ça valorise notre produit. Les gens reconnaissent notre travail, donc c'est plus intéressant pour nous. Avant, c'est vrai que je faisais plutôt de l'expédition. Et du coup, on a basculé plus vers le circuit court maintenant. On a privilégié cette vente-là qui est un peu plus rentable pour nous. Et c'est vrai que ce marché nous a beaucoup aidé de ce côté-là. Merci à vous. On a diversifié. Avant, c'est vrai qu'on ne faisait pas de la monoculture, mais on faisait 2-3 produits par saison. Et donc maintenant,
L'objectif, c'est d'avoir le maximum de produits à nous. On plante en permanence, on récolte en permanence, c'est un autre travail. On touche à tout maintenant, voilà, pour avoir le maximum d'étiquettes vertes. Nous, on fait un suivi très régulier. Tous les ans, on compte le nombre d'étiquettes vertes, orange, violette, noire, et puis on voit le suivi. Et on voit clairement que eh bien, les étiquettes noires, qui pouvaient être plus nombreuses au départ, elles ont laissé la place à du vert, à de l'orange, à du violet. Clairement, ce marché, il a fait évoluer les pratiques agricoles. Donc, on a cette transition vers l'agroécologie. On ne peut pas tout faire, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, j'essaie de faire le maximum, mais il y a des produits que je ne peux pas faire, ou mon matériel n'est pas adapté, je n'ai pas suffisamment de surface, etc. Donc, je branche chez les agriculteurs du coin. Certains sont spécialisés dans d'autres produits que moi, je ne fais pas. Donc, je leur prends à eux. Donc, ça permet de les aider à écouler leur production. Et moi, ça me permet de vendre la mienne également. Ce système, il a aussi beaucoup fait bouger les consommateurs, sans doute même plus vite que les producteurs agricoles. Parce qu'ici, on a une clientèle qui n'est pas militante, qui n'est pas habituée au circuit court, à l'alimentation durable, locale. Tout ça, ça restait très théorique. Et le marché est arrivé près de chez eux, pratique. Et donc, on a eu une transition rapide, parfois radicale, de consommateurs qui ont tout changé. Moi, en tant que consommatrice, ça m'a tout changé. Ouais, vraiment. J'ai une autre vie, un avant, un après, c'est sûr. Je faisais mes courses dans les supermarchés, j'achetais des courgettes à Noël, je faisais absolument pas attention à tout ça. Et depuis, je suis convertie complètement au circuit court, au marché. Ça m'a complètement changé mon mode de consommer, complètement. Et de penser aussi, parce qu'il y a des agriculteurs derrière qu'il faut aider. Après, on pense aussi à la planète. On pense aussi à ce qu'on va manger, tout simplement. Forcément, on cuisine plus. On va plus acheter des produits congelés, on va faire du frais. Avec ceci. Et donc, tout est mieux. Cette expérimentation collective menée à Grabel a débouché sur la création d'un label, baptisé « Ici, c'est local » et piloté par l'INRA. Cette marque a pour but d'aider au développement des marchés de circuits courts en France. Depuis quelques temps, depuis la crise, c'est l'explosion. Donc, énormément de demandes. De la part de collectivités ou même de groupes de consommateurs ou de producteurs qui sont intéressés pour mettre en place la démarche sur leur territoire. On en discute avec des grandes villes comme Lyon, comme Rennes. C'est chouette, hein. On fait du chemin, hein. Voir que ça se développe et que peut-être que dans toute la France, les gens vont nous recopier, là, c'est quelque chose que jamais on n'aurait pensé ça au départ. Non, c'est presque irréel. Voilà, mais c'est pour le consommateur et pour les producteurs et tout ça, c'est une aubaine formidable. Ah ben moi je suis partant pour la Bretagne. Matériel est prêt, on s'attaque au mobilier de jardin aujourd'hui. Oui, vois-tu, Carole, parce que en cette fin d'hiver, il y a des jours où tu vas pas franchement jardiner parce que t'en as plein les pieds, t'abîmes tout, c'est pas bien. Sauf que l'été, c'est demain. Et lorsque tu vas t'asseoir, t'as pas vraiment envie d'avoir les fesses toutes noires. Il faut s'occuper du mobilier de jardin. Donc ici, nous avons un mobilier en matière plastique et puis les adirondacks qui sont en bois. Et je pense qu'il est temps de s'en occuper pour qu'il passe un bel été et nous avec. Très bien. D'accord. Alors, comment veux-tu t'y prendre ? Alors, pour le plastique, j'ai deux choses. Donc là, Carole, tu vas prendre ce balai à vapeur qui va pouvoir éliminer les mousses et les lichens par la chaleur, tout simplement, sans produit, sans rien du tout. Et moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est retendre le plastique. Tu vois, le plastique, il a blanchi sous l'effet du soleil et de la lune. Et avec de la chaleur, nous allons pouvoir le retendre de façon à ce qu'il retrouve un peu de pigmentation. Alors, tu peux utiliser le décapeur thermique. Ouais. Tu vois, c'est... Et là, c'est chaud. Sinon, le désherbeur thermique, tu vois, j'ai ce chalumeau qui sert en fait à désherber, tu sais, pour chauffer les herbes et les faire disparaître. Eh bien, ça va avoir un effet tout à fait bénéfique. Alors moi, personnellement, ça me stresse un peu d'utiliser ça, donc je préfère utiliser le balai vapeur. Je l'avais senti venir, celle-là. Allez, on y va ? Ouais.
9. Mais t'as vu un peu comme c'est revenu la teinte sur le tabouret là? Ouais, c'est bluffant. Mais alors ça ne se ramollit pas, parce que c'est quand même du plastique et là tu le chauffes. C'est du. Ben en fait, si, je crois que ça l'assouplit, il se reconditionne et il reprend sa teinte. Okay. Moi je suis bluffé. C'est le vendeur qui m'a déconseillé de faire ça. Bien, ensuite, c'est bien, Carole, c'est bien. Je me donne du mal. Oh oui, vraiment, tu te donnes du mal. On va s'occuper de la Dirondack. Donc je fais pas les carreaux? Non, écoute, vraiment, non, je vais pas te faire faire les carreaux. Nous allons nous occuper du bois. Vois-tu, il faudrait passer un coup de papier de verre, donc tu as la cale, tu vas prendre le plus gros grain, s'il te plaît, de façon à attaquer un tout petit peu le bois, de façon à enlever les mousses, les lichens qui pourraient s'être posés dessus. Ensuite, tu reviendras pour le lisser et l'adoucir avec un grain beaucoup plus fin. Moi, de mon côté, je vais prendre la brosse en fil de cuivre pour tu vois, aller dans les interstices. Voilà, pour aller dans les interstices. Et puis après, nous verrons ce que nous ferons. D'accord? Ok, on frotte. Allez, frottons. C'est doux, c'est bien. Ah, tu veux bien me passer la bouteille d'essence de térébenthine? Je vais juste dépoussiérer avec ça. Et puis toi, ce qui serait bien, c'est que à tes pieds, il y a un bidon de saturateur de bois. Donc c'est pas du vernis, hein. C'est pas quelque chose qui va faire couche sur le bois, mais c'est quelque chose qui va rentrer dans le bois et avoir un effet hydrofuge qui fait que l'eau n'y pénètre plus. Et comme ça, le bois s'abîme beaucoup moins vite. Voilà. Voilà, il n'y a plus de poussière, c'est bon, on va pouvoir y aller. Je mets une bonne couche, c'est ça? Pas trop épaisse, tu pourras dans un quart d'heure renouveler l'opération, mettre une deuxième couche, ça évitera d'avoir des coulures. D'accord. Et dans 24 heures, ce sera sec, et dans 3 jours, nous pourrons nous asseoir dedans. Ah, on attend 3 jours? Bah, c'est mieux. Ok. C'est comme ça. Tous les ans, je renouvelle cette opération-là, et je t'assure que ces fauteuils ont doublé leur durée de vie potentielle grâce à cette opération. Donne-moi ton pinceau, je vais continuer, parce qu'il y en a pour un bout de temps. Ça va vous laisser le temps, justement, de découvrir notre nouvel épisode de notre série Paysages. Nous partons dans les Causses. Ce panorama nous permet un bond dans le passé et nous allons remonter jusqu'à la préhistoire. Comme des cartes postales, les paysages s'offrent à nous. Mais savons-nous les regarder, lire ce qu'ils disent du présent et nous racontent de leur passé ? Dans le Causse, autour du cirque de Navacelles, la géologie se donne en spectacle et témoigne de l'inexorable évolution de paysages. Ah oui, là, il y a un vrai point de vue. Plus fragile qu'il n'y paraît. Philippe, nous sommes sur le Causse de Blandasse. C'est quand même un drôle de paysage dont on sent que la nature est assez pauvre, enfin la terre est assez pauvre avec des affleurements rocheux. Et puis plus on s'éloigne et plus la ligne de relief est importante. Qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Donc en fait le Causse, c'est un plateau calcaire. D'accord. Et ce plateau calcaire, il est formé par la mer. Il y a le continent au nord, qui est le massif Cévenol avec le granit et les Cévennes. Et surtout au sud, le relief dont tu parlais, en fait c'est une barrière récifale. C'est des coraux qui se sont accumulés, qui ont fait un barrage. Et de fait, ici, on est dans un lagon. Waouh. Or, il y a des retraits marins, puis la mer est revenue, et chaque fois, ça donne des couches de boue marine, qu'on appelle, qui se sont déposées les unes sur les autres, et qui ont fait ce qu'on appelle la roche calcaire. Non, mais c'est inouï d'imaginer qu'on est dans un endroit où il y avait des coraux tout partout, qui formaient ce massif. Voilà. Tout ça, ça s'est arrêté il y a 70 millions d'années. Non, donc, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais c'est assez vieux. Et donc, la mer s'est retirée, si tu veux, puis la roche calcaire a séché. Et à partir de là, se met en place un autre système d'érosion, avec la circulation d'une rivière en surface qui a creusé des vallées, et un système d'érosion très particulier que les géologues appellent le karst, c'est-à-dire que l'eau traverse le plateau, le modifie et le creuse. Et donc, sous nos pieds, il y a des centaines de grottes et d'avennes. Ah. Donc le Causse, c'est quand on marche, il faut toujours faire attention, marcher doucement pour ne pas descendre. D'accord. Et donc, petit à petit, la végétation s'est développée. Et puis l'homme est arrivé il y a à peu près 5000 ans, ce sont les premiers agriculteurs. Ils ont commencé à ouvrir le paysage, à défricher avec leurs troupeaux, à entretenir le milieu ouvert. Et sur ces reliefs calcaires qui sont fragiles, dès que tu enlèves la végétation, la terre s'en va. Et les paysans disent qu'ici, la pierre pousse plus vite que l'herbe. Et donc après, au cours de l'histoire, face à la rareté de la terre, les hommes ont fait plusieurs aménagements pour les retenir. Et dans certains endroits, on a des grands champs qui sont aménagés volontairement pour maintenir une agriculture historique. On va aller voir ça de plus près. On va aller voir ça de plus près. Philippe,
nous voici devant le cirque de Navacelle. C'est extrêmement impressionnant et j'aimerais comprendre comment cette formation géologique a vu le jour. En fait, là, on est devant les gorges de la Vis. Donc, la rivière a creusé le plateau calcaire. Donc là, tu as le train de méandre qui a creusé la vallée. Et le cirque de Navacelle, la particularité, c'est ce qu'on appelle un méandre abandonné. C'est-à-dire qu'avant, la rivière passait là où aujourd'hui tu vois les champs. Et donc, le fond des gorges a été bouché par ce qu'on appelle des formations de tuf. C'est une roche carbonatée qui se fait parce que l'eau est très chaude et elle est riche en calcaire. Et ça va surélever le fond de plus de 15 mètres. D'accord. Ça fait que l'eau coulait beaucoup plus haut. Et à partir du moment où l'homme s'est installé sur les plateaux, a changé la morphologie des plateaux, a modifié la couverture végétale et les sols, l'eau qui traverse ces plateaux et qui ressort dans la vallée était beaucoup plus acide. Et donc, pour le coup, elle a... Elle a grignoté ses tufs, elle a abaissé le niveau d'écoulement de la rivière et de fait, le méandre s'est trouvé abandonné. Et donc, tu as différentes sortes de calcaires. Tu as ceux qui sont très compacts, qui vont se déliter en corniche, puis tu as ceux qui s'érodent en petites strates et qui vont former le talus dans les gorges. Et après, sur ces talus, tu vois tous les aménagements qui sont dus à la présence de l'homme. Et donc, tu as toute une activité économique qui s'est développée ici et depuis le Moyen-Âge en fonction de la présence de l'eau, du type de relief, de la présence des champs et de la possibilité d'aménager un petit peu toute une économie parallèle avec ça pour le petit élevage. Et on voit aujourd'hui, on a l'impression que c'est sauvage, mais pas du tout. C'est vraiment un milieu qui est en train d'être abandonné dans ces pratiques agraires qu'on appelle. D'accord. Philippe, autrefois, ces pentes de Navacelle étaient surnommées les méandres des vignes. Effectivement, tous ces coteaux étaient couverts de vignes. Aujourd'hui, il ne reste que ce petit bout, ce qu'on appelle la vigne de Louis. Voilà, c'est la seule qui est le témoignage direct d'une activité qui a complètement disparu et qu'on ne soupçonne même pas. Et on retrouve bien l'impact, parce qu'il y a des petits cabanons là, qui servaient à récupérer l'eau pour faire le sulfate de cuivre. Mais on en trouve partout, construits sur toutes ces pentes, jusqu'à une très grande distance. Il est évident qu'on ne pouvait travailler ici qu'à la main. Oui, avec la pente et les accès mécanisés ici, ce n'est pas possible. Et ça peut aussi expliquer tout l'abandon qu'il y a eu, c'est-à-dire que ce ne sont pas des parcelles qui sont compatibles avec l'agriculture d'aujourd'hui. Philippe, il semble qu'ici nous soyons sur des terres beaucoup plus fertiles. Il semblerait aussi que ce ne soit pas par hasard. Non, alors d'un côté, tu as l'action de la nature. C'est l'ancien lit de la rivière qui traversait le Causse. D'accord. À l'intérieur, beaucoup de terre s'est accumulée. Et donc aujourd'hui, ce sont des zones où les champs sont très riches. Par contre, de ce côté, on est vers ce qu'on appelle le versant, c'est-à-dire la pente du relief. Au-dessus de nous, il y a un petit plateau. Et l'homme a observé que ces versants, quand il pleuvait beaucoup, toute la terre descendait du plateau. Et pour ne pas la perdre, ils ont fait de gros aménagements, notamment ce mur, qui est long de plusieurs centaines de mètres, et au-delà duquel, et donc en contre-haut de nous, tu trouves un très grand champ qui n'a aucune raison d'être d'un point de vue naturel. Donc ça, c'est au XVIe et XVIIe siècle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tu vois qu'ici, la mécanisation, elle peut continuer. Mmh. Et donc ces champs sont toujours exploités. Contrairement à tous les autres petits champs qui ont été abandonnés, qui n'étaient pas compatibles, ici, effectivement, c'est une terre extrêmement fertile et qui l'est depuis plusieurs siècles. En arrivant, j'ai cru qu'on était devant un paysage quasiment sauvage et voilà que tout à coup, je comprends que chaque mètre carré a été travaillé pendant des centaines d'années, des millénaires. Et aujourd'hui, à l'heure de la mécanisation, on sent bien qu'il y a des endroits qui sont un peu en déshérence. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il se passe? Ça change parce que le contexte socio-économique évolue. Donc les pratiques agricoles d'il y a 150 ans ne sont plus d'activité aujourd'hui. Donc le territoire est abandonné. Donc tu as des parties où la nature reprend le dessus et d'autres parties où l'homme continue son agriculture avec la mécanisation. Et donc le paysage change. Et c'est difficile, moi l'archéologue, si tu veux, j'ai du mal à croire qu'on puisse revenir dans le passé. Par contre, il faut regarder le passé et se dire peut-être qu'on ne va pas faire des mêmes bêtises qui ont été faites. Un paysage en évolution. Les pratiques humaines continueront d'évoluer. Le Causse en sera le témoin. Il en portera aussi l'empreinte, comme il le fait depuis des millénaires. La main de l'homme écrit et va ayant écrit. Les paysages sont fragiles. Questionner leur histoire permet de mieux les appréhender, de les comprendre et surtout de les respecter. Ah.
Un petit air du Japon a envahi le jardin de Stéphane avec ce magnifique arbuste, plante de la semaine. Japon, presque, vois-tu, c'est Prunus okame. Il est originaire d'un croisement très ancien entre Prunus campanulata, dont les fleurs sont rose carmin. Il est originaire de Taïwan, celui-là. Et croisement, et Prunus incisa, avec des fleurs roses pâles qui poussent naturellement sur les pentes du mont Fuji au Japon. Je n'ai pas dit n'importe quoi, heureusement. Cet arbuste de la famille des rosacées va mesurer 4 mètres et plus. Il les a dépassés, là. Bah oui, et 3 mètres d'envergure. Oui, il a dépassé nos espérances. C'est merveilleux. Son feuillage est caduque. La floraison intervient en mars. C'est un peu le messager du printemps, le premier à fleurir de cette façon. Il va aimer les expositions plein soleil, les sols profonds, frais. Il a une rusticité importante qui nous permet de le planter partout en France, de moins 25 degrés. Ah oui. Moi, ce que j'aime chez lui, vois-tu, c'est ses fleurs simples qui s'inscrivent naturellement dans le bocage tout autour. Il est mellifère, donc c'est vrai, elles sortent de la ruche, là, direct elles y vont. Et son feuillage en automne devient absolument superbe. Ouais, et c'est encore plus beau vu d'en bas, je trouve. Un nuage rose, Prunus okame. Très bien, c'est la suite de notre pas de panique. Nous allons végétaliser une façade avec l'heptacodium, la verveine de Buenos Aires et aussi les trachylobes spermum. Allez, tout de suite, Stéphane passe à l'action. Stéphane a rejoint Cindy et Benoît devant leur maison toute bardée de bois. Derrière un épandage phytosanitaire, la façade est nue. Le dessin propose de l'habiller d'une foule d'arbustes à fleurs pour limiter le temps d'entretien. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est assez dense? Oui, très bien. On voit plus que ça maintenant. Eh bien, voyons-le en vrai. Voilà, on va commencer par enlever toutes les chips de coco, les réserver sur cette bâche, de manière à les réutiliser tout à l'heure lorsque nous aurons fini. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe sous cette bâche. Je pense qu'il y a beaucoup de liserons qui courent. Ce serait peut-être bien de l'enlever. Et puis, installer nos câbles pour pouvoir conduire nos glycines sur la façade. Voilà. On y va ? On y va. On est parti. Les chips de coco sont ratissées. Mises de côté, elles reviendront plus tard. La bâche de protection est enlevée. Parions que les adventices ne pousseront pas sous le paillis. Stéphane prend des mesures sur le mur. Il est relayé par Lali. Le bois est percé au niveau des montants. Des pitons y sont vissés. Le câble peut être tendu. La glycine est conduite, puis rejointe par un jasmin. Les grands arbustes sont mis en place, laurier du Portugal, Ligustrum texanum, Pittosporum tenufolium à petites feuilles et Choisia ternata sundance. Voilà, voici un arbuste que j'aime beaucoup. Son nom c'est Heptacodium et il est originaire de Chine. Il a plein de qualités, des qualités qui commencent par cette floraison qui est tardive. Après tout, à cette saison où il y a peu de fleurs, voici qu'arrive celle de l'heptacodium, des petites fleurs blanches comme ça, ravissantes, légèrement parfumées. Et lorsque ces fleurs vont faner, à la base des fleurs, cette partie qui est verte à présent va devenir rouge, ce qui fait qu'elle garde un attrait décoratif. Il va y avoir plein de petites ailettes rouges comme ça sur la plante. Et puis ensuite, son feuillage va prendre des teintes automnales très intéressantes. Et en hiver, son écorce qui s'exfolie de cette façon-là, comme ça, pour laisser apparaître un bois légèrement nacré. C'est une plante qui aime être plein soleil, qui est tolérante sur tous les sols, qui aime les sols lourds. Ça va bien tomber parce que là, on est vraiment dans de l'argile et qui a une rusticité tout à fait acceptable pour la région. Je pense que moins 10 degrés, ça ne lui fait pas peur. Sa hauteur, c'est 4 mètres maximum, 3 mètres d'envergure, mais ça n'empêche pas de le tailler. Ici, il l'a déjà été, par exemple. La branche a été raccourcie ici, on est parti deux autres. On peut rabattre certaines branches régulièrement, de façon à ce qu'il reste proportionné par rapport à la façade qui est ici. Très bien. Voilà. Devant, d'autres arbustes vont densifier la proposition, avec leurs rameaux souples et leurs feuillages colorés. Voilà. Bon, bah écoute, on a installé tous les arbustes de la deuxième ligne. Et ces arbustes-là n'ont pas vertu, n'ont pas pour objectif de dépasser ceux qui sont contre le mur, bien entendu. Pour cela, j'ai choisi des choses qui se taillent. Ici, nous avons un saule crevette. Donc tous les ans ou tous les deux ans, tu le rabats à 20 cm.
D'accord. Voilà. Et il repart avec des tiges, ça c'est des tiges, c'est comme le rosier, hein, toutes des tiges de l'année, qui sont légères, qui battent au vent, et c'est ravissant. Derrière, il y a un cotinus. Le cotinus, c'est un arbuste qui peut mesurer 6-7 mètres de hauteur. C'est des arbustes qui sont beaux lorsqu'ils sont rabattus régulièrement, parce que là, tout d'un coup, ils nous font un gros toupet de branches toutes neuves avec des feuilles bien rondes. Et ici, c'est Purple Palace, ou en tout cas, le feuillage est pourpre, assez proche de la teinte de la maison. Et donc, ça fait quelque chose de dense, de souple, de frais. Derrière encore, il y a un physiocarpus, c'est pareil. Au bout de 2-3 ans, le bois vieillit. Et si ça devient trop grand, c'est pas joli. Donc quand tu estimes que là, vraiment, il est trop en concurrence avec ce qui se passe contre le mur, tu tailles à 20 cm en mars. C'est toujours... Voilà, toutes ces tailles-là s'effectuent à la fin de l'hiver. De cette façon-là, chacun reste à sa place, les grands derrière, les petits devant. Et ce sera le seul travail que tu auras à faire pour cela. Super. Manquait un hydrangea paniculata, Lali plante des Caryopteris au bleu profond, des anémones du Japon blanches, Cindy des verveines de Buenos Aires, des géraniums, Benoît s'occupe des vergerettes, des graminées. Et voici un stockésia. Le trou au fond d'un large pot en béton est recouvert d'un tesson, d'une couche de drainage où vient reposer une soucoupe elle-même noyée dans les graviers. Cela fera une réserve d'où le trop-plein d'eau pourra s'écouler. Et par-dessus, de la terre de jardin mélangée à de la terre de bruyère pour accueillir un arbousier, un érable du Japon pourpre et un buisson doré. Une épaisse couche de paillis est répandue, le coco revient, adjoint de cosses de fèves de cacao, les lanternes viennent conclure. Cindy, Benoît, Lali, c'est fini. Voilà. 3 bougies en plus et le tour est joué. Superbe. Je pense qu'on a atteint l'objectif. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est comme je pensais. On verra toujours le bardage, la couleur, mais le vert avec le bordeaux, ça va donner de la gaieté. Ouais, ça va être un peu moins présent et un peu moins que cela. Oui, parce que ça faisait un peu masse quand même. Je trouve, ouais, je trouve. C'est mieux que dans nos rêves. Je pensais pas qu'il y avait autant d'arbustes à fleurs. C'est vrai. Oui. Et le pot, là, au premier plan? Eh ben, ça fait contrebalance avec les glycines qui sont contre le mur. Je trouve ça joli, moi. Ça complète le tableau. Oh, là, c'est gentil. Merci, Stéphane. Bah, écoutez, Stéphane. Vous êtes content? Très. Très. Bon, ben, moi aussi. En quelques heures, la maison s'est trouvé un petit plus qui lui donne une toute autre allure. Les plantes grimpantes vont investir cette partie du bardage de bois, les arbustes vont s'étoffer et relayer leur floraison. À leurs pieds, les vivaces fleuries vont couvrir joyeusement le sol. Le gros pot attire le regard et laisse derrière lui l'indispensable épandage phytosanitaire. Que la vie soit plus douce dans ce joli endroit. L'émission touche à sa fin, on se retrouve avec ce beau mobilier de jardin tout neuf. Et il est temps à présent de parler des livres, mais avant cela, si vous avez envie vous aussi de participer à l'émission et d'accueillir Stéphane et son équipe, il vous suffit simplement de prévoir un peu de café et de remplir un formulaire. Et pour remplir le formulaire, vous devrez pianoter France.tv et sur cette même plateforme, vous pourrez voir et revoir encore Silence ça pousse. Alors les livres, moi je vous ai choisi celui de Marc-André Selosz que l'on a découvert tout à l'heure avec l'exposition L'Odyssée sensorielle. Son livre est sorti aux éditions Actes Sud, ça s'appelle L'origine du monde. Et l'origine du monde, c'est le sol. C'est une histoire naturelle du sol à l'attention de ceux qui le piétinent. À l'intérieur, Stéphane, tu as en 3 actes les composants du sol, les mécanismes et aussi est-ce qu'il faut traiter ou pas les sols. C'est intéressant, c'est vivant. Et il y a aussi beaucoup d'humour parce qu'on l'a vu, Marc-André Selosz, c'est un sacré professeur, c'est un sacré personnage. Eh bien, pour ma part, voici Chronique d'une jardinière du dimanche, un livre de Patricia Celina Mario. C'est chez Books and Demand, BOD, les livres à la demande. Tu le commandes et tu le reçois c'est chez toi. C'est écologique, on n'imprime pas de livres que l'on va après mettre au pilon.
Tout à fait. Eh bien, elle nous emmène dans son petit jardin de 160 mètres carrés, faire le tour chaque mois, saison après saison, pour s'émerveiller des petites merveilles qui sont là et qui la rendent heureuse. Elle nous parle aussi des pépiniéristes qu'elle aime. Je crois que la meilleure façon de partager le jardin, c'est de le faire le plus simplement possible. Et c'est ce qu'elle fait. En fait, il est question de transmission et c'est une valeur de cette émission. Alors, à la semaine prochaine. Salut.